يجير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Maintenant, nous avions dit également que Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wa salam, qui est le père des témoins des sciences de l'unitude, donc Al-Muwahhidun, c'est lui le Abul Muwahhidun, ou bien Imam Al-Muwahhidun. Imam Al-Muwahhidun, donc c'est l'imam, le dirigeant, hein, l'émir de ces Mouahidoun, de ceux qui témoignent l'unitude, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit unique. Voilà. Et que lui est le précurseur de cette science qui est la science de cette catégorie que la théologie. Al-Mukarram. C'est lui le précurseur. Alayhi salatu wa salam. Maintenant, les savants, souvent, insistent sur le fait de ne pas trop être dans cette science, c'est-à-dire que dans le ilm al-kalam, en tout cas dans le kalam, donc cette rhétorique, ce raisonnement perpétuel, mais ceci est destiné, c'est-à-dire ces propos, sont destinés aux débutants ou à ceux qui n'ont pas un bagage intellectuel et spirituel suffisant. Mais aussi, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que ce n'est pas une science dont doit s'intéresser la plupart des gens, parce que cela leur fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Maintenant, donc, ce qui fait qu'il faudrait insister donc sur le fait que le tawhid, donc la science de l'unitude, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il est vivant et que sa vie est pré-éternelle et éternelle et qu'il est toujours et qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il connaît tout, qu'il sait, donc il sait tout et il est puissant et majestueux, etc. Donc, et il a la parole et qui est pré-éternelle et éternelle, etc. Donc, tout ce qui tourne autour de cela et donc nous apprend et nous met dans l'océan de la science de l'unitude. Voilà, attaquez. Maintenant, le fait de pouvoir raisonner et de pouvoir démontrer toutes ces choses-là, comme nous l'avions dit la fois passée, est quelque chose doit être quelque chose d'évident, mais aussi doit être quelque chose de connu, au moins en tant que de quelque chose qui est maîtrisé, au moins de la part de quelques-uns dans la société. On ne peut pas vivre dans une société où on n'a pas de mutakallim, quelqu'un qui maîtrise cette science-là parmi les musulmans. C'est pour cela qu'il incombe aux étudiants qui sont versés donc dans la science, de bien se verser également dans cette science qui est la théologie. Et que Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, est le précurseur de cette science. Et le Coran nous parle de son attitude avec ses contemporains, avec son peuple, quand il leur invite à croire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à Allah uniquement. C'est pour cela que le Coran dit que il dit que ذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من الموقنين. Et c'est ainsi que nous avions montré, nous avons fait voir à Ibrahim alayhi salatu wassalam la royauté ou la grande royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le monde céleste, et donc la grande royauté donc relative au céleste et
terrestre également. Donc voilà, Malakoutou Samad, voilà. Et lui, il y a pour le Ménal Moukénine et pour qu'il soit également parmi les gens pleins de certitude. Voilà. Donc, Sidna Ibrahim alayhi salatu wassalam était plein et animé de certitude. Voilà, al-Yakin. Et le waouh qui est là-bas, Wali Yakuna, Minal Moukinin, donc ce waouh qu'on appelle communément chez les savants, waouh Samina, donc le huitième, le waouh du huitième, c'est-à-dire que pour dire donc dans ce cas précis, pour ne pas s'étaler sur cette question, le waouh signifie là que s'il n'y avait aucun résultat ou aucun profit et bénéfice qui provient du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Sayyidina Ibrahim alayhi salam sa grande royauté dans les cieux et sur la terre, s'il n'y avait aucun résultat, au moins qu'il aurait le résultat du fait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam fait partie des gens de la certitude. C'est waouh, c'est pour ça que c'est ce qu'il fait là. Parce qu'il pouvait dire, il y a quand même le montré. Mais le waouh, il est là pour montrer qu'en réalité, au moins cela est évident comme résultat. Voilà, maintenant il y a beaucoup d'autres résultats, parmi lesquels il y a le fait qu'il fait partie des gens de la certitude. Et donc ce qui fait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam avait déjà une certitude. Donc c'est pour cela que la suite de l'histoire, beaucoup de gens ou certains qui parlent dans le domaine de la religion et qui prétendent enseigner le tawhid, disent à Sayyidina Ibrahim, que Sayyidina Ibrahim alayhi salatu salam, quand il dit qu'on fala majalna alayhi lalra al kawkaba, qala hadha rabbi. Donc, quand la nuit tomba, et maintenant il voit donc des astres, et il voit un astre et dit voici mon Seigneur. Voici mon Seigneur, voici mon maître. Mais certains prétendent pourtant, subhanahu rabbi, soit faire l'exégèse du Coran, ou parler de la théologie, ou plutôt des sciences de l'étude, ou en tout cas parler de la religion de manière globale, et disent que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, en ce moment-là, était en train de tergiverser, et de, voilà, était dans un doute, et, ou bien plutôt, et quand il dit là, je n'aime pas ceux qui disparaissent, il dit que voilà, donc il était en train de suivre sa passion. Ya subhanallah, comment on peut parler de la religion et parler des prophètes alayhi salam de cette manière-là? Ça, c'est le même les bases même de cette science qu'on était en train de parler, c'est-à-dire la science de l'étude. Les prophètes alayhi salam sont infaillibles et indéfectibles. Sont infaillibles et indéfectibles. On ne peut pas, les attribuer ses vices, ses défauts. Voilà. Ces imperfections. Donc c'est Ibrahim alayhi salam. Parce que le Coran même a dit, pourtant il nous a prévenu, juste au départ de l'histoire, hein, juste au début de l'histoire, il nous a prévenu que c'est Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré. Sa grande royauté dans les cieux et sur la terre, donc dans le monde céleste et terrestre, et que si cela n'avait aucun autre résultat à part le fait, c'est-à-dire que ça a plusieurs résultats, voilà. Cela a plusieurs résultats, plusieurs profits, plusieurs bénéfices, et que au moins le minimum qu'il a eu du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait montré tout cela, c'est le fait d'acquérir totalement la certitude et tout ce qui tourne autour. Donc il y a quoi dans le monde? Et après il commence à relater l'histoire. Il dit maintenant, fala madel, vous voyez, maintenant. Après cela, quand? Voilà, il est en train d'être prédicateur, hein, dans son peuple. Voilà, il dit, et quand il a vu, donc Kaukab, c'est un astre. Donc quand il a vu cet astre, il dit, Hada Rabbi, voici mon Seigneur, voici mon maître. Mais cela, il ne l'a pas dit pour montrer que lui, il croit à l'astre comme étant son Seigneur, comme étant un divin qu'on doit adorer. Non. Mais il a montré cet astre pour, parce qu'il est parti voir les gens qui adoraient cet astre-là. Il leur disait, bon, écoutez, nous allons adorer le même divin, le même Dieu, la même divinité. Et voyons,
Disons que voilà, c'est ça, mon Seigneur, voici mon Seigneur. Et quand ce l'astre donc a disparu, Falama, donc quand l'astre s'est dissimulé et a disparu, il dit que non, moi je ne veux pas un Seigneur qui disparaît. Voilà, qui disparaît comme ça. Et vous voyez, et maintenant, quand maintenant, il a vu, maintenant il est parti voir les gens qui adoraient la lune. Il les a dit que, mais celui-ci, c'est mon Seigneur. On va l'adorer. Et quand il a disparu, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, donc mon vrai Seigneur et celui-là donc n'est pas mon Seigneur. C'est pour cela que les mufassirun, c'est-à-dire les exégètes, oui, disent en certains exégètes disent que Harabi ne signifie pas voici mon Seigneur, mais cela signifie il a laissé le alif donc pour dire Harabi. Voilà. Ahad Arabi. Est-ce que celui-ci c'est mon Seigneur? Bon, maintenant on va essayer de voir. C'est-à-dire, c'est comme si il leur disait que, ah, vous prétendez que c'est lui mon Seigneur? Maintenant, regardons. Voyons. Voilà. Et c'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Afa immit tafahumul khalidun. Est-ce que si toi tu ne fais plus partie des vivants, donc tu meurs. Donc il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les mécréants de la Mecque commençaient à vouloir sa mort, donc son décès. Et Allah lui dit de toute façon, tous ils vont disparaître, ils sont voués à mourir. De toute façon, et même si toi, tu meurs un jour, est-ce qu'ils seront éternels eux? Ouais. Donc, voilà, vous voyez. Allah subhanahu n'a pas dit afa imita afa, mais il a dit afa imita fahumul. Donc il y a le hamza, le alif donc qui est là-bas qu'il a omis. Et pourtant c'est une question fahumul khalidun, c'est-à-dire afa khalidun. Et ici aussi c'est pareil, hadarabi, c'est-à-dire ahadarabi. Maintenant il y en a d'autres donc parmi les exégètes également qui disent que Hazarabi, donc il l'avait dit juste pour. C'est ce qu'on appelle le raisonnement à l'absurde. Voilà, il faisait le raisonnement à l'absurde. Il disait que voilà, voici mon Seigneur, on va regarder. Maintenant, quand il voit que le Seigneur, maintenant, celui-là qu'on est en train d'adorer, a disparu, il dit que, mais écoutez, moi je ne veux pas la disparition. Je ne veux pas la disparition. Et il a bâti son argumentation sur le fait que. Le divin là qui sont les divinités là qui sont en train tous d'adorer, que ça soit les astres, que ça soit donc les étoiles ou planètes, que ça soit la lune, que ça soit le soleil, hein? Parce que après il a dit bon, donc on va continuer la phrase d'abord, donc que ça soit donc les astres, la lune et le soleil. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam voulait donc montrer que Allah subhanahu wa ta'ala ne bouge pas, n'est pas en mouvement. Voilà. N'est pas en mouvement. Il n'apparaît pas, puis il disparaît, etc. C'est ce qu'il les a montré. Parce que quand il a dit que, maintenant, donc revenons à l'histoire, quand il a dit que le soleil, la lune, qu'il dit que voilà, c'est mon Seigneur, et qu'il a disparu, il dit, maintenant, attendez, si mon Seigneur ne me guide pas, je ferai partie je ferai partie des nombres des égarés. Donc, il faut quoi? Il faut que je fasse attention. Donc, il commence à éveiller les consciences. C'est comme ça. Donc, c'est le raisonnement. Il n'est pas venu pour leur dire que oui, Allah a fait descendre sur moi des livres et donc il dit que voilà, je vais vous les réciter et puis c'est le raisonnement. Il les a trouvés dans leur terrain pour leur dire que on va raisonner, on va discuter, on va débattre. Voilà, on
on va accepter de discuter ouvertement et voyez et on va voir qui détient la vérité parmi nous. Et quand il a vu le Falamara il dit, donc quand le soleil maintenant est apparu, et donc il est allé voir les gens qui adorent le soleil. Il dit, Hada Rabbi, Hada Akbar. Voilà, tout cela. Non, vraiment, ne fais pas des divinités, quoi. C'est celui, voilà, voici mon Seigneur. Voici mon Maître. Et lui, il est plus grand. Donc le soleil, il est plus grand. On voit que le soleil est plus grand. Mais Falama Afala, quand maintenant aussi le soleil s'est couché, donc il a disparu, il dit, ah maintenant là, Wadjatu voilà, je me dirige vers, hein, je dirige tout mon être, toute ma face, et toute mon existence vers celui qui a bâti, qui a forgé, qui a créé les cieux et la terre, tout en étant orthodoxe. Voilà. Donc, devient tout, hein, étant dans le droit chemin et contre toute déviance. Je ne fais pas partie des gens, je ne fais pas partie des nombres des associateurs. Je ne vais pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à autre chose. Mais, son peuple commence à argumenter, à essayer de considérer, de voir que voilà, ils sont contre lui. Il dit, mais pourquoi vous essayez de me convaincre pour que j'adore vos seigneurs alors que Allah m'a guidé? Comment je vais avoir peur de vos divinités là, alors que vous n'avez même pas peur d'adorer, d'associer Allah subhanahu wa ta'ala pour des choses que vous n'avez aucun argument, aucun argument. Il n'a Allah a fait descendre aucun argument sur cela. Parmi nous deux là, nous deux là, qui mérite le plus d'avoir peur, d'être craintif? C'est pour ça Allah a dit, et cela pourrait être également la parole de Seyyidina Ibrahim, il dit, ceux qui ont cru fermement et n'ont pas mélangé leur croyance et leur foi d'une injustice manifeste, c'est-à-dire l'associationnisme, le shirk. C'est pour cela que, comme dans le hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahmatullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran donc, a parlé de ce verset-là, a été descendu, donc a été révélé. Les compagnons étaient un peu craintifs, étaient d'ailleurs très craintifs, peur. Ils avaient peur. Ils ont dit, mais comment on peut croire sans mélanger de cette croyance à aucune injustice, alors que nous sommes des êtres humains? Donc, voué à faire des erreurs. Le professeur Lassalle leur a dit, non, l'injustice ici ne signifie pas toute forme d'injustice, mais cela signifie l'associationnisme. Ne voyez-vous pas quand le sage Luqman alayhi salam a dit à son fils, Inna shirka la zulmun azim. Certes, l'associationnisme est une injustice immense, énorme.
Voilà. Donc, pour revenir, il dit que donc ces gens-là qui n'ont pas qui croient fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas associé ou bien qui n'ont pas mélangé cette injustice, cette croyance et cette foi à une injustice manifeste, ces gens-là ont la sécurité totale ici-bas et dans l'au-delà. Et surtout donc dans l'au-delà. Et ce sont des gens qui sont guidés. Donc c'est pour cela Hafiz Ibn Kassir, rahmatullah, par exemple, parmi tant d'autres, hein, parmi les mufassirun, les exégètes, ils disent que Al-Amnu fil Akhira, Muhtadun fil Dunya. Donc ce sont les gens qui ont eu la sécurité, qui seront sécurisés, qui ont bénéficié de la sécurité dans l'au-delà, mais aussi qui seront bien guidés ici, bah, donc Muhtadun seront bien guidés. Et voilà, maintenant, pour revenir dans l'histoire, donc on a vu globalement cette histoire-là. Et Seyyidina Ibrahim, alayhi salatu wa salam, nous a montré le chemin du raisonnement. Parce qu'il a argumenté par une chose extraordinaire et par laquelle nous avions argumenté lors de la séance précédente. C'est-à-dire que, hein, c'est plutôt, on pourrait dire, le principe fondamental de la dynamique. Et que nous, les Wolofs, on dit comment? Ou bien, voilà, avant de répondre présent, il faudrait être présent d'abord. On ne peut pas répondre à une chose où on n'est pas présent. Donc, en disant que ces vos dieux-là que vous adorez, vos divinités-là, ils disparaissent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Parce que si c'était le simple fait qu'ils disparaissent et qu'ils ne sont pas visibles à un moment donné, qu'ils les reprochaient, ils vont leur dire eux aussi. Mais toi aussi, ton Dieu, on ne le voit non plus. On ne le voit pas non plus. Mais comment il a parlé avec eux, ils savent qu'il ne veut pas dire, il ne veut pas parler du fait tout simplement qu'ils disparaissent. Qu'ils apparaissent et redisparaissent. Et qu'à des moments où ils ne sont plus là, c'est-à-dire que l'astre, par exemple, ou le soleil ou la lune n'est plus là, ce moment-là, on ne pourrait pas l'invoquer. Ce n'est pas ça. Mais c'est le fait que celui-là disparaît, c'est-à-dire est en mouvement. Et comme il est en mouvement, donc il se couche, donc comme on voit hein, l'étoile ou la lune, ils viennent, ils apparaissent à un moment donné, on les voit. Ils se couchent. Le soleil également. Voilà. Ils ont des couchants et des levants. Et donc, c'est pour cela qu'il dit que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il leur a dit, montré, que c'est une évidence maintenant. Accepter que maintenant, que ceux-ci ne sont pas des dieux. On ne peut pas les adorer. Pourquoi? Parce qu'un dieu ne peut pas être. Donc, un dieu doit être quelqu'un d'autosuffisant. Il ne peut pas subir une force extérieure. Et que vos dieux-là subissent des forces extérieures parce qu'ils sont en mouvement. Celui qui est en mouvement, c'est parce qu'il a subi hein, une force extérieure. Voilà ce qu'il les a montré. Et c'est une démonstration parfaite. Ils n'ont aucun argument à interposer. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que voilà, vous voyez que ce genre d'argumentation, il nous l'a, c'est Naïm nous l'a enseigné. Mais il y a aussi un autre, regardez, et sur le même principe, avec Namrouz, par exemple. محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين والقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفاف سرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد.